Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vers vous parce que j'ai reçu du courrier. Alors, une petite enveloppe, une superbe enveloppe et encore une enveloppe, une grosse enveloppe. Alors, tout ce courrier me vient donc dans l'ordre de ce que je vous ai montré de Fanfan 4 Scrap, de Maryse Doudoune, ça, voilà. Et de Benjamin de la chaîne Ben Mec. J'essaierai de mettre les liens en bas sur ces trois chaînes. J'ai dit j'essaierai, hein, parce que Tadoune et l'informatique, ça fait deux. Et on va les ouvrir ensemble. Donc, peut-être sur mes mains. Voilà. Hop là. Voilà, voilà. Donc, vous avez mes mains. Impeccable. Alors, on va commencer par celle de Fanfan. Alors, évidemment, je les ai ouvertes pour gagner du temps. Ouais, félicitations, c'est toi qui as été tiré au sort. Scrap bisous, Fanfan 4 Scrap. Ah oui, alors, numéro 4. Voilà, Fanfan avait fait sur sa chaîne un défi Étonnez-moi, auquel j'ai participé. Et donc, après le tirage au sort, elle a gardé les numéros des participants, et quand elle réalise, quand elle fait une petite réalisation, carte, ATC, et tout ça, elle l'envoie, elle le tire au sort un numéro, et elle l'envoie. Et moi, avec mon numéro 4, j'ai gagné cette superbe ATC. Voilà. Avec plein de petits tamponnages à côté. Fanfan, bah, je te remercie, je te fais plein de bisous. Voilà. Ensuite, on va faire celle de Maryse. Alors, vous voyez l'enveloppe, hein. Ta-ta-ta. Alors, j'ai fait un échange. Alors, je ne sais pas si elle l'a reçu. Je pense que ça ne devrait pas tarder non plus. Voilà, on avait décidé de faire un échange toutes les deux, de trucs qu'on aimait offrir. Et donc, voilà. Donc, on va vider l'enveloppe. Par contre, cette enveloppe est superbe. Enfin, je ne sais pas si... Je ne connaissais pas du tout. Je connaissais les enveloppes décorées qu'on vend, mais je n'avais jamais vu ça. Je trouve c'est vraiment trop bien. Voilà. Alors, oh! Alors, tout est emballé. Oh, trop bien! Ah oui, alors ça, c'est des petits carnets. Maryse, dans ses envois, d'après ce que j'ai compris, met toujours un petit carnet qu'elle fait elle-même. Donc, moi, j'ai un beau carnet. Ben voilà, maintenant je sais. Tu me demandais ce que c'était que mes petits carnets. Ben maintenant je sais. Effectivement, maintenant je sais. Ben merci, merci, merci. Je suis trop contente. Voilà, voilà. Donc là, c'est... Ah oui, j'adore ce principe-là. Hop là. Et voilà. Ah, c'est trop bien. Nanana. Ah, c'est gentil. Ah. Et laisse-moi lire. Oh, bah écoute, moi aussi, je t'embrasse beaucoup. Je trouve ton petit mot très, très gentil. Et ta carte, magnifique. J'aime bien. Il faut vraiment que... Plusieurs fois, j'ai dit que j'allais faire ça, mais bon. Ça, j'ai pas encore... Enfin, j'en ai déjà fait, effectivement, mais c'est vrai que j'ai pas... Voilà. Waouh. Ça, j'adore. Hop. Voilà. Bien, parce que je pourrais partir en vacances avec. Ah! Oh là là! Je sais pas si vous voyez, mais dans chaque petite pochette, il y a un petit cadeau. Alors, je ne vais pas déballer tout à chaque fois. Hein. Donc, des petits nœuds. Super. Alors là, ça doit être ah oui, alors attendez, je vais quand même des fois défaire. Hein. Non, mais... C'est vrai, quoi. Marie Noël s'est amusée à faire les paquets, donc on va les défaire, hein. Voilà. Ah, je vais pas dire. Bon, on va laisser. Voilà. Donc là, voilà, c'est une jolie petite carte. Comme ça, on va la laisser comme ça, parce que c'est très joli. Ah. Voilà, ça c'est pareil. Oh, j'adore. Donc le petit chat, le lapin. J'aime bien les... Tes pochettes.
Là encore, plein de petites cartes comme ça. Je trouve ça trop chou. Oh là là, celle-là, elle est belle. Oh, trop bien. Je remets tout. Ah, des petites découpes. Ah, très bien ça. Ça, j'aime bien. Collection spéciale. Voilà. Ben, ça, je les ouvrirai, mais sans vous. Voilà. J'ouvrirai pour le plaisir. Et d'autres petites découpes. Ah, oh, ben, ça tombe bien parce que moi qui ne savais pas trop comment les coller, j'ai découvert ça. Ah, je vous ai fait un petit tuto l'autre jour pour ces petites découpes. Voilà. Alors là, ça tombe très bien parce que j'ai jamais de feuillage. Alors j'ai commandé des dies déjà, mais je n'ai toujours pas reçu. Et là, franchement, ben là, j'ai de quoi faire pendant un petit moment. Et ben, tout ça me ravit énormément. Voilà, donc j'adore ton petit carnet. J'adore ça. Alors ça, c'est trop, trop bien. Oh, j'adore, j'adore. Il y a plein d'étiquettes. Oh là 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 là. Alors je vais le remettre à sa place. Nanana. Alors tout ça, c'était pour moi. Tadam, tadam. Donc ça, donc c'est de la chaîne Maryse Doudoune. Mais franchement, je vais faire un gros effort et je vais essayer de vous mettre ces trois chaînes en lien en dessous. Car voici l'envoi de Benjamin. Voilà. Alors, l'envoi de Benjamin et de sa maman aussi qui fait du scrap. Donc, Benjamin, c'est un jeune garçon qui a sa chaîne, hein, Benmet. Et qui a un groupe aussi sur Facebook, dont je suis aussi administratrice, qui s'appelle Échange Scrap et Création. Donc, si vous voulez aller voir, mais je vais aller voir la chaîne. C'est une chaîne faite par un enfant pour les enfants. Et franchement, c'est très très intéressant. Il y a plein de petits trucs sympas. Puis bon, la vie d'un ado, c'est créateur comme Benjamin. Je trouve que c'est assez sympa parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'ados. Quand on voit nos ados actuellement, félicitations Ben, parce que là, franchement, toi, tu me ravis à chaque vidéo. Alors, oh là! Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oh là là! Alors là, c'est les Memory Decks. Petit coin de paradis, embarquement immédiat. Alors, voilà, les Memory Decks. Voilà. Alors ça, c'est celle de sa maman, de Christelle, voilà. Et alors ça, c'est un petit mot, Christelle et Benjamin, voilà. Et Christelle et Benji. Je trouve trop mignon. Alors, si vous allez sur la chaîne de Benmet, vous verrez qu'il adore les animaux. Je ne vous en dis pas plus parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Waouh! Alors ça, c'est le personnage fétiche de Ben. Voilà. Et donc, voilà, je suis Tadoun de l'eau. Et voilà, deux ATC très très sympas. Voilà, donc voilà, ça c'est. Voilà, donc le petit. Si je ne montre pas, je suis en train de regarder. Le petit personnage, donc c'est l'eau. Voilà, parce que l'eau, c'est un peu mon élément. Bon, ben, je suis cancer, donc c'est. Voilà, c'est un peu mon élément. Et ce personnage, donc le mien, celui qui l'a créé pour moi, s'appelle Boudelot. Bout, plus loin des apostrophes, et l'apostrophe EAU. Voilà. Encore une. Oh, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Plein de stickers. Oh là, attendez, oh là là. Alors. Oh là là, c'est trop mignon. Voilà, ça c'est une carte. Je crois que tu l'avais faite, Ben, sur ta chaîne. Je crois que je l'ai vue déjà. Voilà. Bah, franchement, elle est superbe. Moi, j'aime beaucoup. Je suis ravie, ravie. Et donc, à l'intérieur, il y avait donc des inchi. Alors. Oh, merci, merci, merci. Alors, oui, il me connaît bien. Voilà, alors, on voit peut-être pas bien, mais ça c'est. Mon personnage préféré dans Harry Potter, c'est Luna Lovegood. Je sais pas pourquoi, je suis très attirée par ce personnage. Une autre série que j'aime beaucoup,
Benjamin aussi, donc on a fait un échange déjà, Stranger Things. Un Inch Voyage. Voilà. Et, oh là là, bon, celui-là aussi, Stranger Things. Il est trop, trop, trop chouette. Voilà. Alors là, les Inch Stranger Things, j'avoue, je sais où je vais les mettre. Le temps des vacances. Voilà. Un Inch Star Wars également. Alors, voilà, un sticker, ce sont les lunettes de Luna dans Harry Potter. Je trouve ça trop mignon. Et alors, il m'avait demandé quelle était... tiens, bah encore Luna. Voilà. Ce que j'aimais à part Harry Potter, et je lui avais dit que j'adorais le monde de Narnia. Et voilà, donc, Aslan. Alors, tout ça, ce sont des stickers et des inks fait maison. Superbe. Alors je sais pas par où commencer. On va commencer par ça. Voilà, c'est un gros gros paquet. Hein. Tout ça. Alors là il y a des ATC. C'est Ben. Hein. Ça c'est tout ça c'est Benji. Voilà. Oh là là. Une ATC Luna. Star Wars. Ah oui parce que oui. Je suis aussi, j'ai toujours un faible aussi pour certains méchants. Donc Luna, c'est pas du tout une méchante. Hein. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est un petit peu allumée, voilà. Et j'aime Kylo Ren dans Star Wars, qui est soi-disant méchant, mais enfin soi-disant. Voilà. J'aime beaucoup les ATC de Ben. C'est très très sympa. Oh, c'est trop mignon. Alors Superman, évidemment. Harry Potter, Narnia, t'as super bien travaillé. Encore le monde de Narnia, encore et toujours. Et voilà, ça là est superbe aussi. Et ah, des capsules altérées, trop bien Benjamin. Voilà. Winnie l'ourson, j'adore. Et une un petit peu plus nature. Donc c'est vrai qu'on sait... je sais exactement où je vais mettre tout ça. Alors... si je n'ouvre pas du bon côté, évidemment, ça va être compliqué. Alors... Donc là, c'est Christelle. Merci, merci, ma chérie. Voilà, donc je suis souvent en conversation... Messenger avec Christelle, parce que bon, on s'aime beaucoup. Voilà. Une découpe 3D. Trop, trop belle. Hop. Et là. Tout ça. Voilà. Ça devait aller là. Regardez comme c'est joli. Bien sûr, je vais le défaire. Oh, j'adore. Non, je trouve ça trop, 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 trop joli. Voilà. Alors là, franchement. Je trouve ça vraiment très joli. Pareil, deux petites capsules. Et une jolie carte. Et alors là, c'est de la pâte Fimo. Je vois du chocolat déjà. Ah. Oh là là, un morceau de réglisse, mais j'ai envie de croquer dedans. Oh. Voilà. Et donc, voilà. Le cadeau Fimo de Benjamin. Voilà, et bien j'ai été super gâtée. Merci Christelle et Benji. Merci Marie-Noël, enfin Marise Doudoune. Et puis merci Fanfan de Fanfan 4 Scrap. Alors, après toutes ces émotions, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et c'est toi pour une création. Bisous, bisous.